L'actrice camerounaise Orgel Kensop, plus connue sous le nom de scène Mamiton, traverse actuellement une période très difficile. Hospitalisée dans un état critique à Douala, sa situation a suscité une vague de solidarité sur les réseaux sociaux avec de nombreux appels à contribution pour lui venir en aide. Au milieu de cette situation déjà tendue, une chaîne de télévision locale a par erreur annoncé le décès de l'actrice. En réanimation, elle n'aura malheureusement pas trouvé la voie de la guérison. Elle laisse la grande famille du 7e art en larmes. Cette information a rapidement été relayée par une influenceuse sur les réseaux sociaux, créant une véritable panique parmi ses fans et proche. Heureusement, la famille de Mamiton a immédiatement réagi pour démentir cette fausse nouvelle, affirmant qu'elle est bien en vie, bien que son état de santé reste préoccupant. Nous avons juste veillé à ce que les gens ne prennent pas des photos, qu'on essaie de partager un peu partout. On a porté vraiment en famille et l'a menée ici à l'hôpital. Elle est en train de suivre ses soins, comme depuis sa naissance. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas comment l'information est sortie. On dit qu'elle est toujours là. Rassurez que je confirme, je vous présente ici la famille de Mamiton. Je confirme que Mamiton est belle et bien vivante. Elle est sur son intercès. Face à cette erreur regrettable, la chaîne de télévision a présenté ses excuses publiques par l'intermédiaire de son journaliste, reconnaissant la maladresse de la diffusion de cette information non vérifiée. Cet incident a non seulement mis en lumière la nécessité de vérifier les informations avant de les partager, surtout dans le contexte sensible d'une urgence médicale, mais il a également révélé le soutien massif dont bénéficie Mamiton dans cette épreuve. Les contributions et les messages d'encouragement continuent d'affluer alors que sa famille et ses amis espèrent une amélioration de son état de santé. Restez connectés sur Info du Continent pour la suite de l'actualité.